Recoucou, alors je vous retrouve pour vous faire un tuto avec ma nouvelle palette de chez Too Faced. En fait elle a pas de nom, c'est la 15 ans entre Too Faced et Sephora. Une revue va arriver, mais là je vais essayer de vous faire un petit tuto. Sachez que c'est la première fois que je vais l'utiliser, un prototype. Donc j'ai déjà fait mon teint, c'est pour ça que c'est aussi plat, j'ai pas mis de bronzer, juste mis mon enlumineur crème de chez Kiko, mais c'est tout. Parce que dans la palette, il y a un bronzer et un blush. Et donc je voulais utiliser celui-là pour vraiment faire toute la palette. Donc je vais commencer avec les yeux. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais utiliser le So Cool, donc c'est un espèce de rose poudré. Par contre, ils sont un peu poudreux. Sur toute la paupière mobile. In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth, but we got closer. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit rose vraiment lumineux, très joli. Ensuite, je vais mettre 525 Marquette. Donc celui-là, par contre, il est un peu plus foncé. C'est une espèce de bronze cuivré, je dirais. Donc lui, je vais le mettre ici. You were eating off my spoon and coming over, and we would talk all afternoon. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, find your hands all over me, and then you bite your lip, whisper and say, but going all the way. On estompe. Tonight, take me to the other side. Sparks fly like the 4th of July. Just take me to the other side. I see that sexy look in your eyes, and I know we ain't friends. Voilà, voilà. Je vais prendre, avec mon pinceau estompeur, Piano Kiss, qui est un blanc. Donc vous allez le voir, voilà. Pour un petit peu continuer à estomper. If we walk down this road, we'll be lovers for sure. So tonight, kiss me. Après, selon vos goûts, vous rajoutez du marron en creux. Mais vraiment selon vos goûts. Like it's do or die, and take me to the other side. This could be perfect, but we won't know unless we try. I know you're nervous, so just sit back. Là, je vais remettre un petit peu du rose du début. Hop. Parce que je le trouve vraiment joli et très très lumineux. Ensuite, je vais reprendre un pinceau fin, enfin un peu précision là, ceux que j'aime bien, ceux qui sont comme ça. Et je vais prendre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais reprendre le 525 Marquette là. Donc du coup en fait, si vous, je change pas de pinceau peut-être. Et je vais le mettre en dessous. Let me drive. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, find your hands all over me, and then you bite your. Et dans le coin interne, je vais mettre Jer Jer. C'est un espèce de petit doré. Donc en haut et en bas. Whisper and say, but going all the way. Tonight, take me to the other side.
Je vais reprendre 525 marquettes en mouillant un petit peu mon pinceau. Et essayer de faire un... Voilà, un petit peu plus foncé au niveau du côté. Ça fait un peu liner, enfin vite fait quoi. Hop, moi je remonte toujours un peu. Voilà. Hop. Je vais mettre mon mascara et mon crayon et je reviens. Un petit peu de crayon dans les sourcils. Ah. Ensuite, on s'occupe des joues. Alors, je vais utiliser le blush qu'il y a dans la palette. Non, d'abord, je vais faire le bronzer. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et donc, je vais prendre le Sun Bunny Bronzer. Alors, il y en a deux. Moi, je vais prendre celui-là. Je sais pas pourquoi, il y en a deux. So tonight, take me to the other side. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, let your love crash into me and then you punch. Il est pas mal, hein? Il a des petits reflets. Et ensuite, le blush. Donc c'est le Who's Your Poppy. Donc qui fait un peu... un peu orgasme, hein. Il n'y a pas de... Whisper and say we're going all the way tonight. Là, on va diminuer un tout petit peu et je vais rajouter ma Terra Aura de Guerlain parce que bah, c'est un geste maintenant quasi habituel. Oh, zut. Pour ceci, je prends mon gros pinceau et je pouf. Take me to the other side. Sparks fly like the 4th of July. Just take me to the other side. Sachez que là je force un petit peu sur le blush et tout parce que je savais pas si on le verrait. Donc j'ai forcé un peu. Et encore là vous voyez très forcé mais en vrai ça allait pas du tout. Enfin ça c'est pas comme ça en tout cas. Et donc sur les lèvres, question de goût évidemment. Donc moi je vais mettre mon nouveau rouge à lèvres de chez Kiko, le 509, qui est comme ceci. Je vais acheter le... Hop, qui est un rouge. Excusez-moi, j'aime le rouge, je vais mettre d'abord du crayon. I see that sexy look in your eyes and I know we ain't friends anymore. If we walk down this road, is for sure. So tonight, kiss me like it's your time. Take me to the other side. Take. Et mon rouge à lèvres. Voilà. Voilà pour le petit tuto du démarche. Alors que puis-je dire? Je trouve cette palette magnifique. Moi qui suis pas trop neutre, nude et tout, là, là, ce sont des neutres, des nudes et bon, irisés quand même, mais on les voit quoi, il n'y a pas de... On les voit, il n'y a que trois couleurs. Quatre, parce que j'ai mis le doré, j'ai oublié. Et elles sont sublimes. Elles sont sublimes, elles sont vraiment pigmentées. Il n'y a pas à dire. Le rouge à lèvres est hyper agréable. Par contre, niveau tenue, je ne sais pas, étant donné que c'est la première fois que je le mets. Mais cette palette, je l'adore déjà. Le blush est très joli. Alors là, vous avez vraiment l'impression que c'est fort. Mais je vous jure que moi, dans mes miroirs, ça n'a rien à voir. Ça fait pas aussi peur que ça. J'ai pas l'air d'une carotte, hein, je vous jure. Donc voilà pour ce petit tuto.
J'espère que ça vous aura plu quand même. Et évidemment, je vais vous faire des bisous et vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye.